Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le swap que j'ai reçu de Kérosène. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc au moment où je fais la vidéo, le mien n'est pas encore parti parce que je suis encore en train de rajouter des trucs dedans, de chercher ce que je pourrais bien mettre dedans. Mais j'ai reçu le sien entre deux. Donc dans son colis il y avait des petits bonbons. Malheureusement il y en a un qui s'est explosé dedans et qui a fondu partout, donc j'étais... J'étais obligée de. Enfin, je nettoyais toutes les petites breloques, etc., qui étaient un peu collantes. Donc, voici sa carte. Voilà, comme ceci. J'ai un gentil petit mot derrière. Donc, je vais commencer. Je vais commencer d'abord par les petits trucs qu'elle a mis dedans et je finirai par son livre. Donc, il y a une petite fiole rose, une petite fiole avec des paillettes roses, pardon. Comme ceci. Une petite barrette, comme ceci. Une espèce de pince croco. Deux grandes griffes comme ceci, ça doit être des je pense des 20 mm. Oups. Un porte-clés comme ceci. Une broche, une bille en verre, c'est ça comme ça, parce que je me rappelle plus. Ensuite, pour les breloques, donc une breloque tête de taureau. Je pense. Une breloque cœur. Comme ceci. Deux breloques. Ce sont des paires de ciseaux. Mais on dirait une forme d'oiseau. Comme ceci. Comme ceci. Il y a une breloque petit éléphant. Une breloque tête de chat. Une breloque abeille, je pense. Quatre petits des entre-deux ou intercalaires entre-deux. Bon, bref, en forme d'aile. Une breloque bronze en forme de plume. Il est parti avant, mon téléphone ne fait pas macro. Je suis désolée. Deux petites breloques. Oups. Hello Kitty. Deux petits piments, je pense. Un intercalaire en forme de... Comment ça s'appelle? En forme de ça, quoi. Je sais plus. Espèce de filigrane. Ça ressemble un peu à un cabochon. Et une. Mais je trouve pas même aujourd'hui. Je crois que c'est une bélière. Comme ceci. Il y avait aussi des petites coupelles.
plein de ceci, donc j'avais mis tous les petits apprêts dedans. Voilà, donc je découvre un peu en même temps que vous, parce que j'ai pas ouvert les sachets, je me suis contentée de nettoyer les petits apprêts qui avaient été saccagés par les bonbons. Donc hop, comme ça. Donc des petits, c'est pas des paillettes, un peu comme des sequins, vous voyez, en plastique, en forme d'étoiles de flocons de neige. Là, j'ai fait. Deux petits nœuds jaunes à pois blanc, comme ceci. Deux jolis petits nœuds en organza rose. Et un bracelet avec des maillons comme ceci. Voilà. Et du faux sucre, je pense. Oui. On peut s'en servir comme copeaux de noix de coco, etc. de couleur blanche. Comme ceci, voilà. Je remettrai tout dans les petits sachets après. Hop. Ensuite, un filigrane en forme de feuille. Hop. Une autre petite broche, comme ceci. Deux perles en forme de fleurs un peu translucide, ou de la blanc translucide. Enfin, sont blanches, quoi. Une autre barrette comme ceci. Et une autre pince crocodile comme ceci. Voilà. Ah, il y a aussi une autre. Il est entrouvert, alors je sais pas si. Peut-être que les autres apprêts étaient dedans et pendant le voyage, ils sont glissés dans le carton. Voilà. Et une chaîne bille de couleur bronze. Ça tombe bien parce qu'en fait, en bronze, à part des anneaux et quelques clous à tête plate, en bronze, j'ai rien en fait. Donc comme ça, avec les filles, avec le petit collier, enfin avec la petite chaîne et les petites breloques et les filigranes, je pense que je pourrais faire un truc sympa. Donc je la remercie encore mille fois. Ensuite, je vais pas les sortir, mais dans un petit sachet, ce sont des strass. Ça s'appelle des appliques. En forme de petits cœurs, comme ça. On a des violets, des rouges, des verts, des jaunes, des bleus. Enfin, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Voilà. Il y a un petit rouleau, un rouleau de fil doré, fil métallique doré. Aussi. Il y a un petit sachet, une petite pochette avec ces motifs-là. Ah oui, il y avait un tour de cou gris. Je pense pas qu'on verra bien les détails parce que il fait pas macro, mais voilà, comme ceci avec le fermoir. Voilà. Dans un autre petit sachet, il y a un sachet, pardon, de grains roses, de faux sucre, si vous voulez. Ici. Et dans le sachet, il y a une autre bille en vert, entre guillemets. Il y a deux grosses perles en... Je crois que c'est des perles en vert. Vertes comme ceci.
Ah, il y a aussi des billes de couleur violette. Il y a des petites perles un peu en forme de feuilles. Alors, il y en a des bleues, il y en a des vertes transparentes, il y en a des oranges, des roses, des violettes, des rouges. Hop, ceci. Je pense que ce sont des rubans. J'ai vu qu'elle avait fait certains de ses colliers ou bracelets avec une sorte de ruban comme ceci. Voilà, en espèce de dentelle un peu. Celui-là est gris. Celui-là, il est élastique. Blanc comme ça. Voilà. Il y a un petit ruban un peu du type comme les rubans Liberty avec des feuilles et des fleurs dessus comme ça de couleur rose et blanc. Il y avait un autre ruban comme ceci. Un autre comme celui-là, en vert. Et celui-ci. Super sympa. Et pour finir, garde le meilleur pour la... Ah non, oui, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié des choses. Alors, je l'ai monté. J'ai vu que ça a été démonté dans le... Ben, voilà, d'ailleurs. J'ai pas du tout comprendre. Hop, donc j'ai essayé de la monter. Je pense que... Enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est une petite table, non? Comme ceci. Je ne sais pas si les bords sont faits pour être courbés ou pas. Je sais pas trop. Voilà, comme ceci. Alors, dans une petite boîte comme ceci. Avec... Voilà. Il y a des créations. Donc il y a une petite bague. Comme ceci. Voilà. Et une création qu'elle a faite. Donc c'est une lentille sur un câble en cuir, on dirait, marron. C'est une petite lentille comme ceci, zébrée. Donc ses couleurs or et noir. Forcément, on voit pas bien, voilà, comme ceci. C'est super sympa, je la remercie vraiment. Hop, je vais remettre dans la petite boîte. Et donc pour finir, hop, elle m'a offert son livre Les bijoux fleuris en pâte polymère, qui est sorti, il me semble, il y a 2 ou 3 mois, je crois. Donc je ferai, sauf si elle ne le désire pas, je ferai une revue sur ce livre pour vous dire où est-ce que vous pouvez vous le procurer, de quoi il parle, etc. Je mettrai sûrement en barre d'infos le lien où vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc voilà, c'est un livre de tuto sur des fleurs. Sur pas mal de fleurs, il y a 21 fleurs à réaliser. Voilà, donc je ferai sûrement une revue sur ce livre. Je la remercie du fond du cœur. Avec ma petite dédicace. C'est super sympa. Donc voilà, donc c'était la vidéo du soir. Oh, j'ai oublié un petit ruban en organza rouge. Honte à moi. Il a dû tomber quand j'ai sorti les autres du sachet et puis j'ai pas fait attention. Excusez-moi. Donc c'était ma vidéo pour le swap de kérosène. Je la remercie 1000 fois encore. Le sien va pas tarder à partir. Il devrait arriver dans pas longtemps, je pense.
Mais je la remercie encore du fond du cœur. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. C'est un peu mon idole des personnes françaises qui font de la pâte polymère. Donc voilà, je la remercie encore et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère vraiment continuer à échanger comme ça avec Kérosène. C'est vraiment quelqu'un de sympa, donc je vous invite à aller voir sa chaîne et sa page Facebook et ses boutiques aussi, elle vend des apprêts. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.